www.congotopnews.com. Aux entrepreneurs, aux arts. Voilà. Voilà. Je vois plus 100, 200 jeunes. On peut dire, bon voilà, on a un problème de circulation. Même le gouvernement, même le président, on a déjà un projet, on a ça, la route, tout ça. Bon, nous aussi, on peut décider. Bon voilà, nous on est au centre, dans un centre, on a bisou, il y a bon, on a bisou, voilà, tout est bon, on a bisou. On y va vers le gouvernement, on le propose. On prend peut-être une partie en Zéla où il y a comme Matinjil, il y a bisou, donc tu as payé à Jinabiso pour qu'il y ait un macambo de mon athée. Il faut que Bati Kapé place la jeunesse. C'est ça ma démarche. 3fois.congotopnews.com. Ça, c'est le premier constat. Quand on arrive au Congo, on a vraiment du mal à se déplacer. Touriste, par exemple, on a la difficulté à Tambola Mbo Kanabiso. La facilité. On a Bambo Kamsousou, on a bus. On a un tramway, puis surtout on a un niveau à la tête. Mais ne serait-ce que avoir des routes adéquates, ce serait déjà une belle évolution. 3fois.congotopnews.com. Qu'est-ce que vous, en tant que groupe ADA, pour lui, bon, tenez tout ça dans le Congo? Dans un premier temps, on pourrait commencer par former des jeunes. D'accord, la formation. La formation dans certains métiers du bâtiment, dans le réseau de l'assainissement, par exemple. Ça, c'est vraiment les deux principales. 3fois.congotopnews.com. Pour réduire le nombre de. Comment on appelle ça? Kuluna. Oui, Kuluna. Déjà, ces jeunes-là, si on leur donne la chance d'une formation, les apprendre un métier. Ils passeront plus leur temps à vagabonder dans les rues puisqu'ils auront quelque chose. Voilà. La société. C'est très important. Voilà. À ta groupe est capable de relever ce défi. 3fois.congotopnews.com. Bango moko ba autorité ba koki ko se charger na makamunio so yambokate. Tout à fait. Il faut batiquer la pebiso ba citoyen, ba particulier. Oui. Na ba entreprise P hein, congolaise, oui. To aider Bango pour Mboka évoluer, pour to kokana nuko avancer na cadence moins rapide. Parce que ce totiki Bango, na éviter ce Congo na lilo, c'est compliqué. 3fois.congotopnews.com. Bah ça n'a pas forcément confiance. Forcément, na ba étranger. Ba pesape ba congolais chance wana ya ko travailler na bango parce que on le sait hein, ils ont plutôt tendance à faire confiance à l'étranger. Oui. 3fois.congotopnews.com. Si aujourd'hui dozo solo là, ce n'est pas pour naya gouvernement ba pesana bon humilité na nga la quitter un peu pour dire que non, nous avons besoin de construire et nous avons besoin de qui va passer espace voilà de notre gouvernement. Et évidemment. Côté, ouais. Et nous on est au centre. Ouais. Le centre, ce n'est pas que vous avez besoin de bangoté. Financement bozana bino la financement la bino. Mais juste pas alléger. Évidemment. Donc moi et le qu'on va passer sur espace voilà, c'est tout. 3fois.congotopnews.com. La diaspora moi attend d'année qu'on a peut-être va vie on a papa on a kulut on a balé qui on a. Puis part sur piocher un peu plus loin parce que peut-être va bien sans nous salater. Les moutons et bien ça, ils n'ont pas travaillé par exemple, non. Ils n'ont pas eu à diriger des entreprises. Bonne, oui, la bonne formation. Bah, pour la couverture de vos événements, mariage, anniversaire, baby shower, soirée, enterrement de vie de jeune fille, concert, deuil, reportage, vidéos et photos. Contactez Nolita Bou Even. Besoin d'un bon maître de cérémonie et animation pour vos soirées de rêve? Contactez Nolita Bou Le Sage. Pour plus d'infos,
veuillez appeler au 0033 6 60 58 89 56. Nolitabu Event, c'est la qualité et la rapidité. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission News. News est allée émission Nabino au Bolingaka. Oui, Mme Lagabino, Makamouzali, Kolekalambo, Kanabiso, la République démocratique du Congo. Oui, bien, oui, Tembo, Kanabiso, Tolingara Mingi, pendant un moment, la République démocratique du Congo, Zali, qu'on traversait, un moment, moko, il y a passé, il y a difficile. Et à travers cette émission, Pendengue, Tozali, Koko, m'a déjà, la Soukayamboula, Oyo, cette année 2022, nous voulons compatir ensemble avec des familles éprouvées, il y a des militaires, ainsi qu'il y a des bandes de Kanabiso, Bélé, Bakoufaki, Namboula, Kinshasa. Donc, Tolobi, tous ensemble, na ba fardese na biso nyonso, au bazali, kuna na est, ya mboka na biso pona kubunda. Bango ba telemi balobi, et que eteni mokote a RDC kokene na bapaya. Nous voulons compatir également avec de femmes, de mamans veuves. Oyo ba koufeli mibal na bango na bitumba oyo na makamonyo sali kole également na ba enfants orphelins oyo ba contacta ki biso même te bi à travers les associations ba orphelins ya ba femmes militaires oyo bazar ko benga toujours biso pour na koloba papa noli lobela ka biso to ko cesser ya koloba yango na ba kondi pour que bata la kaya ba ndeko na biso oyo bazali ko bundela vraiment et kolo bazali ko défendre yango bien. En tout cas ba bonne fête de fin d'année à toutes et à tous. Bato Bolandi Bisso, en tout cas, on a assez de Noël. Il y a qui malade. Mon zamba sur la Bisso aussi, ça vraiment année 2022 na Kimia Nyoso. Mesdames et messieurs, tout le monde qui est en émission, même par rumeur, ils allaient décrypter. Tout le monde qui est en Nyoso, ils ont les carrés dans la diaspora. Sans ignorer, vous êtes sans ignorer que nous émettons à Paris. Et puis, Bota la Bisso na Congo. Na Kinshasa, Bozola, na biso partout Congo central, ba tout Lubumbashi, Bozai Belé, Minampenda Sanda, Musana, Bozai Belé pena donc tout pessimino ba mbote Belé, Bozana Kivu, Bozana Équateur, Boza partout Congolais ali na Kisangani, partout na Mbujimayi Bozola na biso à travers émission Oyo News. Lelo toyebi bande konasi boko mona elongio lisusu, mwana mboka Alexis Missouri azongi libiso après un bref séjour à Kinshasa. Boyebie bomona ki déjà ça les kaki a botala tala et puis moi mingi azali bongo chef d'entreprise azana ba société né en akati mboka France a pesa ka ba emploi et puis azat toujours parmi batu o bazoninga congolais ayo ka sonité. C'est des genres de personnes o bazo ça l'a été ba revaloriser hein tout ba redorer les blasons ternis l'image des Congolais ici en Europe. Oh, le lobaza ba chef d'entreprise, ba lobi ba koyeko zala toujours asimaté, mais faut bazali boso pona Congolais tout d'abord africain, azala na valeur, et puis bazali ko tombola, et kolo na biso, ba esika to outi, a ona mindele, bazala ko pesa même mindele ba emploi, bazala ko sana mindele pona ko zwa, maele na bango pona ko memande to baki, mokonza moko baki to ramener notre expertise pour que mboka na biso ezala reconstruit. Aujourd'hui, nous recevons dans cette émission Monsieur Alexis Missouri, bonsoir et bienvenue dans News. Bonsoir. Alors, je tiens à signaler au nombre de téléspectateurs un peu baïbi ou baïbité. Vous êtes le PDG du groupe ADA Bâtiment, ADA Transport, ADA France, ADA Force également. En tout cas, tu es bien vraiment bienvenue. Merci, Monsieur Noli. Voilà. Aujourd'hui, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné de votre collaboratrice et puis attachée des communications. Votre attachée des communications. Bonsoir, madame. Bonsoir. Et bienvenue dans News. Merci. En tout cas, Lilo Ozala, à l'aise. Vous êtes congolaise, je pense. Oui. Voilà. Donc, voilà, vous êtes Madame Jolie Serioli. Ah, c'est particulier quand même, hein? Oui. Serioli. En tout cas, oui, madame, en tout cas, welcome. Merci. Vous allez vraiment à l'aise à travers cette émission. Pourquoi votre passage, pourquoi d'inviter Bino Lissousou, comme je disais de prime abord, avant de rentrer dans les vifs de notre émission, je disais que Bosalaki déplacement Bouti fraîchement à Congo, à Kinshasa, pour vous méliter, Bokendaki, un voyage d'affaires, au Tomoni, ma image, Nassir Aristote Mbonda qui réalise cette émission, va nous aider à mettre ces petites images, hein, au Bandekouatine de l'Ebisso, il y a réunion à Bino Bosalaki, na Pullman. Alors, retombé, il y a voyage Oyo.
avant qu'on a tout nana comment on a aussi qu'un voyage n'a bien nos acquis professionnels ou on a moni ou bien acquis autre que ça peut-être on a s'est trompé. Non, c'était plus comme tu viens de dire, hein, les acquis vraiment professionnels. Comme tu savais, ça fait pas la première fois que tous ensemble par rapport à tout ce qui concerne le Congo, tout ce qui concerne les affaires, jeunesse, l'emploi, tout ce que et ça n'a esprit en même temps dans motivation. Il y a aucun toujours qu'au bout ce qu'il y a qu'est-ce qu'on peut faire pour demain. Vous voyez, donc nous avons la même lignée comme nous avons continué toujours au Koloba. Donc voilà notre président Félix Antoine qui s'est dit, qu'il avait dit qu'il voulait voir une génération Mokwaba millionnaire, une génération Mokwaba milliardaire, pourquoi pas? Parce que moi je pars un peu plus loin parce que j'ai toujours dit on ne veut pas voir seulement un seul Katumbi qui en parle, le milliardaire. Vous voyez? Et laisser les Indiens, les Libanais. Non, ça, on va venir. Ça, va s'accaparer dans la richesse, la mission. Je parle vraiment de Congolais, là. Oui. Si je parle de Tshisekedi, je parle de Katumbi, je parle de Congolais. Voilà, ça, c'est nos vieux, ça, c'est nos grands frères, on peut dire nos papas, même temps, avec tout le respect, mais même temps, moi, je suis ici, hein. Ça fait des années que vous connaissez, vous savez. Par rapport à l'entreprise que j'ai, ADA, qui était auparavant, que j'avais commencé en 2003, assistant dépannage à Alexis, et moi je m'appelle Alexis, donc je me fais un peu ADA, bâtiment, assistant dépannage Alexis. Parce que vous savez, si je peux commencer en même temps, on peut aller. Dans sur la présentation, oui. Voilà. Pour dire que j'étais. Une fois, j'étais ouvrier. De quelqu'un comme plombier chauffagiste dans le bâtiment et je créais l'entreprise de plomberie chauffagiste dans le 15e arrondissement. J'étais dans rue Vaugirard, qui est Vaugirard et Batumi Baibiango, donc au bateau Babaï en France, dans le 15e arrondissement. J'en avais magasin bureau, on peut dire, et je faisais de porte à porte, comme je peux répéter encore, parce qu'on a toujours dit, on continue toujours à dire. Que j'étais quelqu'un qui gagnait bien ma vie à l'époque, de 2004, 2005, 2006. J'employais aussi des jeunes, pas que des Congolais, mais c'était plus des Noirs, Sénégalais, Ivoiriens, Togolais, Congolais. Pour faciliter vos frères africains. Et évidemment, moi je suis vraiment le Bantou. Mmh. Je porte Afrique à moi et plus je suis Congolais. Congolais vraiment, et je tiens à dire au fond de moi que la langue est vraiment Congo en fait. Et Mbokanango, plus parce qu'en même temps, partenant soit les alliés Nations Unies, parce que déjà, la vie mine à terre au à Kinshasa. Et je suis des Batéké, et né à Mombélé. Donc je suis vraiment Mombélé, comme on dit, entre guillemets. Et j'ai joué à Mombélé, j'ai joué en même temps, à l'âge de 9 ans, on montait, on allait mettre, aller chercher des jouets. Et notre président actuel, Abimipé dans le secteur, là, parce que si on parle de Mombélé, on parle de Limité. Bien sûr. Donc, Mombélé, ce quartier, mais ça, commune, on a évidemment. Limité. Donc, on allait chercher des jouets, nos parents nous tapaient, parce qu'on montait là-bas, parce qu'on était dans le même quartier. Donc, je suis le fils de papa Ngamuna, qui est déjà mort, maman Étoile-Thérèse, elle est vivante. Et je suis grandi à la main de mon frère qui n'est plus en vie, mais je le porte toujours dans mon cœur, mon grand frère, que j'aimais beaucoup, libéral, voilà. Je ne l'ai jamais dit, paix à son âme, je le dirai jamais parce que je le porte toujours. C'est lui qui était mon père ici, il était mon père là-bas, c'est lui qui a pris soin de moi, il m'a donné ce que je pouvais. Aujourd'hui, ce que je suis, c'est lui. Et c'est lui, bon. Par grâce de Dieu, on parle toujours de Dieu devant, après des personnes que Dieu utilise. Donc, je suis passé par là. Et je sentais à moi, parce que moi, je suis né dans ma boucle, ma maman, quoi, qui ouvrière de grand matin. Ça veut dire ma maman, elle faisait des coins. Vous savez, des batekés, c'est ça. Il faut que je parle de moi d'où je suis venu. Oh, je parle de quoi, ma tigre, la batekés. Vraiment. c'est votre spécialité, en je fait. Je suis fier de dire ça. Pourquoi? Parce que j'ai vu depuis l'âge depuis ma naissance, mais sauf 10 ans, 9 ans à 10 ans, je voyais, je me réveillais à 4 h du matin pendant que ma maman s'est réveillée.
Vous voyez, Alphézé, Kwanga, c'est une entreprise. D'accord. Et ce son-là, que j'ai toujours vu ça. Jusqu'à le temps que je suis parti de 14 ans à 15 ans, je suis dans un long parcours, quoi. Donc, les gens bas, c'est honnêteté. Non, vous êtes devenu aujourd'hui. Donc, il y a vraiment travail, il y a du travail. Non, vous avez eu à vous sacrifier. Évidemment. Voilà. Évidemment. Donc, votre mère vous a vraiment préparé. Évidemment, tout à fait. Okay. Donc, dans l'entreprise, comme on vient de dire, de chez Kwang, des gens aujourd'hui sont folles, ils mangent, ils veulent que ça, tout ça. Ma maman, elle était vraiment l'ouvrière de première heure à 3h du matin. De l'ouvrier au patronat. Hein? Ah oui. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Missouri et madame Jolie. Est-ce que vous pouvez vous présenter au Lobamoi Liloba, Batbaye Bayo, et puis Ndengini et Salagi, qui aujourd'hui que vous commencez à travailler dans ce groupe et puis laisser vos empreintes. Comme on dit, toute ambition se la met dans la pâte pour que les choses avancent. Alors, je commence par le début. Je m'appelle Jolie. D'accord. Enchantée. Enchantée, Noli. J'ai également fait mes études en France. Moi, depuis l'âge de 8 ans, à ce que je termine mes études ici. J'ai également eu cette envie d'apporter quelque chose au Congo. En tout cas, mes connaissances. Parce qu'également, j'aime beaucoup le Congo, même si ça faisait plus de 20 ans quand même, ah ouais, de base, que je n'avais plus remis les pieds là-bas. D'accord. Pourquoi ? Bon, pour des raisons personnelles et politiques. C'est pour ça que je ne pouvais pas retourner comme ça, au Congo. Au Congo. Bon. Mais aujourd'hui, pourquoi Ada Group ? Pourquoi Ada Fox ? Après 20 ans, oui. Et grâce à Ada, que vous êtes retourné à la terre de vos ancêtres. Bon, j'y étais déjà retourné il y a quelques mois. Ok, d'accord. D'accord. J'y étais retourné, j'ai vu, j'ai constaté. Et ça m'a ouvert l'esprit, on va dire. Ça, c'est bien. Ça m'a beaucoup ouvert l'esprit. Aujourd'hui, le Congo est un pays à reconstruire. Le Congo, c'est un pays en chantier. Et je pense qu'ils ont besoin aussi de la diaspora pour pouvoir évoluer. Et là, dernièrement, nous sommes repartis au Congo. Avec Ada. Avec Ada. Pour essayer de trouver peut-être des solutions, donner un coup de main, pourquoi pas. Pour que... votre contribution. Voilà. D'où ma contribution. Parce que moi aussi, je partage la vision de Ada Group. De monsieur Alexis. Voilà, de monsieur Alexis. D'accord. C'est un peu ça. On comprend un peu cette décision où, là où maintenant vos esprits ont corroboré. Tout à fait. Ah, oui, Koutani Penzolobi, bon, nga la za idée, vision angeza boué. Oui, Koutani Pena, Oyo Kanisaka, pour rendre ça utile à l'agréable. Tout à fait. Alors, je vais revenir sur vous, Tozongela, monsieur Alexis. Alors, la France a Toyebi posant d'un bâtiment, transport et tout et tout. Il y a quelques mois, je crois, on avait eu à faire un spot. Et je me rappelle encore, il y a 5 ans, 6 ans, vous avez prévu quelque chose pour le Congolais, les Chinois en particulier. Plus de 50 ou 100 bus, comme ça, je me rappelle bien. Et vous avez eu des soucis par rapport à ça. Aujourd'hui, ma bus soit pour permettre un bakinois et son même bas transport et son même bateau. N'a souci quand il y a mambo kanayo. On a quoi aider. Oh, yo zo zo awa. On a quand même découpé ma zoango. Mais au coup, il y a des difficultés. Et on a eu affaire
le spot là, moi tranche mon kamouki. Est-ce que c'est par rapport à ça? Est-ce qu'il y a eu des retombées après cette émission qu'on a eu à tourner avec vous? Il y a un petit poussin qui est à Kinshasa, les sous-sous rencontrés. Est-ce que quand vous étiez parti aussi au Congo, si il y a un côté, est-ce que vous avez eu le temps de voir aussi les autorités compétentes pour nous plaider cause Nayo par rapport à Makambo et Yosanango au Salapunamboka, mais vous êtes toujours bloqué? Je ne sais pas si les questions, ils ont bien compris, madame. Habité, non, la question est bien, parce qu'on a déjà parlé de ça, je pense, il y a quelques mois passés. Hein, j'avais essayé de vous faire comprendre, on s'est fait comprendre par rapport aux difficultés. Est-ce qu'il y a eu des retombées? Retombées, pas maintenant. Bon, retombées dans un sens. Aujourd'hui, on a un jeune comme vous et moi, Yaza Lelo, Mère Yadjini. C'est un jeune que j'avais. Il était humble de lui-même, il est venu jusqu'à moi, na Pullman. C'est pas parce qu'il y a Zabateke, mais parce qu'il me connaît. Il savait qu'on peut travailler. Et on a parlé de projet, on a parlé de bis, on a parlé de tout ça. Pour essayer de voir si dans son côté ça va l'aider. Pour le quartier de Jilly, c'est quelqu'un qui veut bosser. J'ai remarqué, j'ai vu, c'est un jeune dynamique. On a beaucoup parlé à Pullman. Voilà, donc au niveau gouvernement. Donc c'est le nouveau bourgmestre, hein, comme tout le à fait. Maire de la commune de Jilly. La commune de Jilly, voilà. Ouais. Voilà, donc c'est lui. Il s'appelle Galima. Et. Voilà, donc on va le donner. C'est parmi des retombées. Tout à fait. D'accord. Et sur place à Kinshasa, qu'est-ce que vous avez constaté au Congo? Ah, waouh! Je crois que vous avez plusieurs projets pour votre pays. Oui. Mais constat sur place. Voilà, vous savez, il y a des mondes, je peux dire le Congo a des mondes différents. Quand vous descendez dans l'aéroport de Djili, vous voyez du monde. Prenez votre véhicule, commencez à prendre la route. Voir Kinshasani, je pense, hein, Kinshasani et tout ça là. Peut-être. Là, vous voyez quelque chose d'autre. Ça change. Ça change. Ça. Vous rentrez un peu plus loin. Vous voyez encore désolation, en fait, je peux dire, et chaos. Mais c'est que j'aime le Congo parce que tu trouves toujours des gens dans la joie. Dans sa vie, quoi. Les gens. Ils veulent. La différence, il y a l'élo na haut avant. Là, il y a quelque chose qui est jeune, moko intelligent, ambitieux. Ils veulent vraiment. Vous voyez? Il y a un permettant qui peut-être, na haut, na qui dans notre courage. Vous voyez, et c'est Noli, Naebi, je pense que Naebi, c'est que Maramou, il a ça là, en fait. Parce que ça fait un bon moment, quand même, où derrière ce que je fais. On est capable, le Congolais, de construire ce pays, surtout la jeunesse. J'aime beaucoup ce que, comme je viens de répéter, comme le président Kisekedi l'avait dit, il voulait faire un. Cadre, ma génération, on va aux centre, au centre. Moi, vous savez, moi je parle pas de la politique. Politique, moi je veux être au centre. Vous êtes un businessman. Oui, businessman. Moi je parle centre plus. Vous êtes entrepreneur, vous êtes. Voilà. Voilà. Je vois plus 100 jeunes millionnaires, un groupe. On peut décider, bon, lui il a 5 millions, l'autre il a 10 millions, l'autre il a 2 millions, l'autre il a 20 millions. Mais ensemble on a 300 millions, 400 millions, pourquoi pas? Bon, on y va à un projet. Pour quel projet? On veut construire par exemple une nouvelle cité, par exemple. Même pas une nouvelle cité, on peut faire une nouvelle cité, oui. C'est un exemple. Hein? Exemple, oui, je suis d'accord avec vous. On peut dire, bon voilà. On a un problème de circulation, même le gouvernement, même le président, on a déjà un projet, on a la route, tout ça. Bon, nous aussi, on peut décider.
Bon, voilà, nous, on est au centre, dans un centre, on a bisou, il y a un bon, on a bisou, voilà, tout est bon, on a bisou. On y va vers le gouvernement, on le propose. On prend peut-être une partie en Zélao et comme Matinjil, il y a bisou, donc il y a un bisou, pour qu'il y ait un macambo de mon été, ou il y a un salam, pour qu'il y ait un aéroport, déjà de la vie, aux avions à midi, ou bien 13h, il faut quitter 6h, 8h du matin. Parce qu'il y a des bouchons, Zélezaka encore. Vous voyez? Donc, ça, c'est des choses que moi, je vois, c'est possible. Vous savez, c'est possible. On a besoin de des anciens, là. On a besoin d'eux. Mais il faut que Bati Kapé place la jeunesse. C'est ça ma démarche. Ma démarche, c'est ça. D'accord. Voilà. Et Madame Jolie, qu'est-ce que vous avez eu à constater sur place? Et vous avez dit, regardez, vous avez vu ce qui se passe. Nous, en marketing, on appelle ça l'état. Vous avez fait vos études. Vous avez vu qu'est-ce qu'il faut faire dorénavant pour que les choses avancent. Nini Monaki, et puis tant que vous avez une expérience, après 20 ans, je dirais. Premièrement, on va vous toquer le bain, c'est ça? Banzela. Ça, c'est le premier constat. Quand on arrive au Congo, on a vraiment du mal à se déplacer. En tout cas, étrangers, hein, on va commencer par là. Touristes, par exemple, dans la difficulté, on a la facilité. On a un peu comme Soussou. On a un bus, on a un train, un tramway, bus autour d'un niveau à la. Mais ne serait-ce que avoir des routes adéquates, ce serait déjà une belle évolution. Pour Bandela, même en ville, impraticable. Alors, Ada, maintenant, passage Nabi, nous avons vu que vous parlez au nom du PDG. Alexis Missouri, vous avez la vision chargé à communication ou attaché chargé à communication à Yébi, c'est vous avez poumon, yom to Yébi, marambe belé, ou peut-être baboué batté, ni ni ou bino et mousalon premier, peut-être ceux à secrète, sans indiscrétion. Qu'est-ce que vous, en tant que groupe ADA, pour lui, bon, tu dis tout ça na Congo, bien évidemment, avec l'association, qui a né à l'Obi, il y a bateau, bon, sangana, il y a bateau, bazana. Quand on a vision, en fait, vous êtes plusieurs, au Sangana, à Kinshasa, mais si vous voulez aussi la diaspora, au Baza, à la même vision, au Sangana, pour que vous apportez solution à Bino, à Mbokanabiso. Qu'est-ce que, selon votre expérience, ou bien Nabino, Ada, ou Bobike, on va commencer par ça et ça, par exemple, dans un premier temps. Dans un premier temps, on pourrait commencer par former des jeunes. D'accord, la formation. Formation dans certains métiers du bâtiment, des maçons, dans le réseau de l'assainissement, par exemple. Ça, c'est vraiment les deux principales, comment je peux dire, les actions, en fait. Ouais. Voilà, qui feront que demain, en plus, les embaucher. D'accord. Donc, commencer par exemple par la formation. La formation. Et puis. Pour réduire le nombre de. Comment on appelle ça? Kuluna. Oui, Kuluna, des évreux. Oui. Il y en a beaucoup. Enfants de la rue. Oui. Déjà, ces jeunes-là, si on leur donne la chance d'une formation, les apprendre un métier, ils passeront plus leur temps à vagabonder dans les rues, puisqu'ils auront quelque chose. Dans Bango, dans la société. C'est très important. Voilà, ça c'est une bonne chose. Et je pense aussi que ADA Group est capable de relever ce défi. Ça c'est une bonne chose. Alors, est-ce que déjà, Nabi, qui vous étiez là, est-ce que vous êtes structuré au niveau du Congo? Parce qu'ici vous êtes une entreprise, ADA vous êtes en groupe aujourd'hui, vous êtes plusieurs. Est-ce qu'au Congo vous êtes structuré? Ici, la question est vers moi. Vous savez, depuis
2000, je pense 2009, je fais des allers-retours. On avait des bureaux en ville. On a ramené tout ce qu'on pouvait ramener. Hein. Et matériel, bâtiments, des choses comme ça, des vikings. Échafaudage. Échafaudage. J'ai pas mal de choses. D'accord. On a pas mal de choses là-bas sur place. Vous avez pas mal avancé alors. Oui, depuis 2009. Vous savez, en 2012, j'avais ramené 45 pieds de matériel. Vous voyez, vraiment 45 pieds de matériel plus rempli de matériel de bâtiment. Parce que ça, c'est l'idée, ce n'était pas d'aujourd'hui. Vous voyez, l'amour du Congo, ce n'était pas d'aujourd'hui. C'est commencé depuis longtemps. Maintenant, au fur et à mesure qu'on avance, on avance. On est avec le président Kabila. Et on est déjà acquis. Alors, c'est comme si vous étiez découragé quelque part. Vous étiez freiné, si je peux dire comme ça. N'a idée, je sens cette volonté, Zakia, l'amabilité de faire mieux, mais bah circonstances, bah pot de banane, ma cambo beaucoup tenango et découragé nos humains recul. Alors depuis l'arrivée du président Félix Antoine Tshisekedi, est-ce que particulièrement aux autres ceintures qui est au Congo là, au respirer, au pépé mon souci à Sika. Oui. Attends, mais il y a à faire. Oh, je peux dire oui. Non, parce que l'opinion a monté au bois et a monté. Il faut maintenant dans la vision, l'état qui est visionnaire, pour qu'on ait un peu de cadence. Voilà, on va comprendre que de situer quel côté, comment le vent, il faut sentir, il faut dans la paix, un peu spirituel, on comprend des choses. Moi, j'ai compris des choses qu'ils ont bougé. Ils ont bougé parce que ce qu'on ne voyait pas à l'époque, on le voit aujourd'hui. On avait une table, j'avais des cadres, des jeunes cadres, des jeunes businessmen. À Pullman, on était là, on était plus de... Même de VA, ils étaient là. Bon, on peut dire le VA, hein, c'est trop dire le VA. Des vieux loups, quoi. Des vieux loups, voilà, ils étaient là avec nous. Voilà. Bon, on a un défaut dans un langage un peu européen. Des fois, au cause de la... Jeune, d'accord, mais ça vieux ou vieillard, non, terme, il y a évidemment l'expérience, la durée, n'a pas à faire un mot. Tout à fait, parce qu'il n'a pas à faire quand même. Bien sûr, ouais. Je ne suis pas d'aujourd'hui. Hein. Ouais. J'ai formé autant des ouvriers, hein. Comme ma chef d'entreprise, dans beaucoup. Comme mon Yébi Cardoza, il m'a dit, simplement dans ma tabavio donc il est dans mon histoire il va changer à côté non parce que naloba ngoto je sais pas la date d'aujourd'hui que ngai ce qui n'a créé un plan mon côté à 1000 personnes n'a dimité que non coup fanam pourquoi parce que sinon le bon parce que c'est intérieur de moi et ce qui n'a au mon acquis va collaborateur n'a plus dans avant nous va mini n'a côté va Élysée, Champs-Élysées, ces gens-là, des Anglais, des Américains, parce que ça un peu souple. La manière, ça fait 23 ans que je suis avec eux. On peut dire que j'étais jeune, m'ont formé, d'être businessman véritablement. Il y a que ça, là, vraiment, business. Parce qu'il y a business et business. Hein. Voilà. C'est que j'ai compris l'idée que vous créez moi lobbying, Nabino, en fait. Tout à fait. Il n'y a pas Congolais. Vous créez bloc. Oh, ok, beaucoup qui quoi porter soutien à Bino, Nabakondiamboka. Vous êtes apolitique, mais vous avez battu au et vous avez un business, des affaires. Tout à fait. Oh, Bino Bobi, que non. Ce qui l'État n'a pas, le gouvernement aussi en a besoin. Il y a quelque chose, Bino Bobi, tout à fait. Soutenir. Tout à fait. Mais en même temps, en contrepartie, autorité n'a pas aussi ma cause à peu souple. Tout à fait. Je comprends investissement, business. Je comprends le langage. C'est comme ça que ce que vous voulez. Oui. Déjà, donnant. Donc, comme on dit en marketing, business to business. Madame. Tout à fait. Oui. Qu'est-ce que les autorités, à travers cette émission, à quoi Bakoki aider Bino pour que la vision de Malamu, je crois que tu as une idée à Mokondiamboka. Bakoui ko sala nini pour Nabino.
En tout cas, il y a beaucoup à faire. Le Congo est un grand pays. Bango moko ba autorité ba koki ko se charger na makambo nyonso ya mboka te. Tout à fait. Il faut batiquer la paix biso ba citoyen. Ba particulier. Ba particulier. Oui. Na ba entreprise paix hein, congolaise. Oui. Pro-congolaise. To aider bango pour mboka évoluer. Donc quand je dis des particuliers, ça dit des privés en fait. Oui. Pas l'État seulement, mais des privés. Voilà, des privés aussi. Tout à fait. Pour Tokokana, nous avancer dans la cadence moins rapide. Parce que ce Totiki Bango, on a évité ce Congo, on a l'élo. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Même ici en France, voilà. On voit que l'État travaille à peine là-bas, privé. Voilà. Des autoroutes, l'État est voilà. Privé. Donc, ça n'a pas forcément confiance, forcément, dans l'étranger. Ça peut être congolais, chance, il y a qu'à travailler dans Bango. Parce qu'on le sait, hein, ils ont plutôt tendance à faire confiance à l'étranger. Oui. Complexe ou anésal, il faut voilà. La complexe ou anésal. Américain, nani. Voilà où toki musika. C'est plus des Chinois, des Indiens, des Libanais, oui. Voilà. Américain ou musika. Voilà où toki musika. Donc je ne parle plus complexe en est longue. Voilà. Ça la confiance dans banambo. Mais le problème aussi dans l'entreprise congolaise, mais. À qui nous devons faire confiance parce que. Mais il y a de très bons. Tout est bien, entre Bissot, monsieur Missouri. Entre Bissot, depuis qu'il va pécio, congolais, tout est bien, la suite on connaît. Mais non, mais c'est Noli, je peux revenir peut-être. Oui, tu peux. Vous avez la parole, hein, exact, tout à l'heure, on a plus avant la bique. Ceux qui va pécio confiance, par exemple, prenons l'exemple. Ah. Aujourd'hui, groupe ADA, va pécio Bino. Balobi bossa la nouvelle cité. Il y a qui n'a par exemple à côté à disons Tchangou, tout quel place nous avons espace mais ça peine ami côté Bansele par exemple. Ici vous construisez par exemple à Bostobi que bossa la bah immeuble ou à Botonga banini belé bah maison bah belé vous êtes capable. Na réseau na yo ya ko sala yango plus que ça auto mona banda kwa minene to na France bino bo sala yango bozana même pona ko ndako même ebeba ki me ko comment le terme quoi réhabiliter voilà bon na muta bâtiment te ya des mots purement techniques hein mais aujourd'hui si par exemple l'État congolais ils allaient oui nos confiance parce que quand je dis bino c'est à dire yo na raison à tout à fait. Est-ce que vous serez capable en tant que moi na mboka ma pesi yo na pour na botonga atana bi atana mbanda kababi botonga mbandaka tout à fait. Est-ce que vous serez capable monsieur Noli, vous savez dans le bango vous êtes apte pour na de parler de moi. Là, on est en train de parler de Congo et business. Je viens de répéter encore d'être un millionnaire. Azalaki, on a âge à 25 ans. Ok. Qui? Moi. D'accord. Âge à 25 ans, j'étais déjà millionnaire. Ça veut dire qu'on avait déjà une entreprise qui faisait chiffre d'affaires de la journée. Hein. Comme multiplié, hein, on va venir. Des dépannages, rien du tout. J'étais dans les 5 à 6 000 par jour. Parce que j'avais 4 à 5 ouvriers qui allaient à gauche et à droite. Vous savez, à l'époque, on changeait un joint, petit joint comme ça. Pour 200, 300 euros. Et si tu fais 10, parce qu'il y en avait problème de calcaire, vous connaissez à Paris, j'en avais des ouvriers qui allaient à gauche et à droite. Et des petits chantiers à gauche et à droite. Donc j'encaissais par jour, limite, ce je peux dire que si je n'ai pas bien travaillé dans la journée, j'avais 6 000 balles, 6 000 euros. J'avais 26 ans, 27 ans, 25 par là. Vous voyez? Donc, j'étais déjà millionnaire. Donc, donc, un millionnaire congolais au président Kabila, enfin, président Félix Antoine Tshisekedi, Azoluka, Bangoye. J'ai été déjà. Voilà. Donc, pour dire que je ne vois pas pourquoi je peux avoir peur, ou bien Arubanga, Mutabanga, ça ne me dit rien. Vous savez, il y a 10 ans passés, je suis encore jeune, j'ai géré Zakina Konfianga,
à faire Mokuna Man la Coquette. Vous savez, Man la Coquette, c'est un riche juif. C'est un ami et en même temps c'est un vieux. Parce que moi, tout, ces personnes-là, ils m'appellent ami. Jamais petit ami. Pourquoi? Parce que mon Araouna Salak. Ce villa, il était à 25 millions. Oui, villa à 25 millions. J'en avais 5 millions pour faire des travaux. Et j'en avais 50 noirs. Pas blancs, noirs. Le seul blanc que j'avais, des Polonais que j'avais employés, il était un qui est artisan. Mais le reste, c'était noir. Et non, c'est que ça y est un peu. La main de la Coquette, c'est à la porte. Vous voyez, c'est une cité fermée, la main de la Coquette. La première porte, c'est la première villa, c'est à la roi de Dubaï, les Émirats. Et deuxième, c'était villa, qui est mon ami, que je dis Agam. C'est lui qui était le propriétaire. Et après, nous avons Yannick Noah, nous avons Johnny Hallyday. Vous avez tous ces ministres qui sont là-bas, de l'Afrique, le président d'Afrique. Pardon, le président, pas le ministre. Et à chaque fois, Johnny Hallyday passait devant la porte avant de prendre la grande porte. Passait devant. Et quand nos familles, en fait, moi j'appelle mes ouvriers, ma famille, ils étaient plus de 50. Parce que c'était énorme. J'en avais des jardiniers, j'en avais des gars qui touchaient à tout, j'en avais des peintres, j'en avais des plombiers, j'avais tout. À cet endroit-là. Et chaque matin, sur le côté des voisins de la noire, ils n'étaient pas habitués de voir ça. Et John Hallyday, à chaque fois, il s'arrêtait avec sa voiture, son chauffeur, descendait son truc, et nous regardait. Vous savez, pour moi, c'était une fierté pour dire que voilà. Il y avait des dents, c'est pas pour n'en cacher. Il y avait des sans-papiers, pourquoi pas. Comme on dit, le langage, mais mieux soit beau, ta papier, pas de beau, ta langoté. Et moi, et j'étais fier à faire ça. Et je gérais cette affaire jusqu'au bout. Et ça continuait jusqu'à aujourd'hui. Donc, l'argent, ce n'est pas question. Il y a quoi le balantan dans son baki babis, pour qu'il y ait qu'on visitait. Mon qui le propriétaire, papa, voilà, il n'a plus de 200, 300. Vous savez ce que vous avez vu de côté, plus de 100 camions de poubelles, nettoyage de Yamanzela, mon agango. J'avais filmé. Mon agi, ma proposition, on a essayé. Noli, je n'ai pas. Si aujourd'hui, dans ce solo-là, ce n'est pas pour Naya, le gouvernement, appeler ça un bon. Humilité, Nangan a quitté un peu pour dire que non, nous avons besoin de construire. Et nous avons besoin de. Qui va appeler cet espace-là. De notre gouvernement. Évidemment. Côté, ouais. Et nous, on est au centre. Ouais. Le centre, ce n'est pas que vous avez besoin de Bangoté. Financement, vous avez besoin de financement. Mais juste que vous alléger. Évidemment. Donc, moi, et nous, on n'a pas fait ça sur l'espace, voilà, c'est tout. Vous voyez? On n'a pas fait ça sur l'espace, voilà. Parce que moi, je suis Congo, je suis allé, je suis allé, même si Natala Ramine m'a remonté, mais c'est pas la Ramine, un discours moko, notre grand frère Salaki, notre grand frère Kofi Olomide, qui l'avait dit, mais Moutou Moko Lignos en a 300 millions d'euros, qu'est-ce que tu vas faire avec? Vous savez, 300 millions d'euros, c'est beaucoup, frère. Vous savez combien de marchés vous pouvez faire avec 300 millions? Combien des écoles vous pouvez faire avec 300 millions? Vous savez combien de routes vous allez faire? Ce n'est pas parce que vous avez donné 1 milliard aux Chinois, bah ça la route. Mais ce n'est pas. Et coûtera 1 milliard, ces travaux-là. Coûtera 1 milliard. Avec un petit million, vous pouvez construire des routes. Avec un petit million. Je suis parti. On était parti voir ma maman, mon bébé. J'étais étonné. Et moins d'un an seulement. On n'arrivait pas à marcher, à rouler même en voiture. Parce qu'il y avait des. Je dis, mais attends. Il n'y avait même pas des. Il n'y a pas de goût. Des total goût, tout ça, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Mais on parle de millions, on parle de ça, de ci, de ça. Ça révolte un peu. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Alexis Missouri, le PDG du groupe ADA. ADA Bâtiment, ADA Transport, ADA. Madame, est-ce que vous avez un mot? Un message à adresser à la diaspora congolaise, eu égard à votre vision, votre idée, ce que vous avez pu constater sur place au pays. Quel est le message que vous
vous allez transmettre ce soir à la diaspora congolaise qui vous suit à travers cette émission News. Passez votre message. Alors le message que je pourrais donner, c'est de ne pas lâcher, de garder espoir. Et ensemble, tous ensemble, on peut le faire. Vraiment, c'est en bref, en gros, ensemble, on peut aller loin. C'est ça mon message. Alors, qu'est-ce que la diaspora ? Vous êtes issu de la diaspora aussi. Qu'est-ce que la diaspora peut faire pour avancer les choses au pays ? Déjà, il faudrait que les autorités nous fassent confiance. C'est le premier souci. Il faudrait que les autorités nous fassent confiance. Mais les autorités, hein, beaucoup aujourd'hui sont issus de cette diaspora. La diaspora, oui. Tout à fait. Mais fassent confiance aussi aux autres, aux jeunes. Alors sur place à Kinshasa, moi j'étais au pays aussi. Aujourd'hui, on sent que cette image de la diaspora est erronée. L'image de la diaspora, on dirait M. Sebeba, parce que les gens qui ont la diaspora, ils ne peuvent pas retourner la vie sur le bois. Ils ne peuvent pas retourner la vie sur le bois. Ils ne peuvent pas retourner la vie sur le bois. Ils ne Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à la diaspora, M. Sebeba représente le rôle de la Congo, le message n'est pas que la diaspora. Pour la bateau, peut-être, mon image est erronée. Va changer peut-être les manières de voir. Bon. Avec la vision des Ada, bien évidemment. Oui. Après, je pense que ils ont dépendre d'un moutoin. Parce que il y a quand même une majorité de diaspora au vraiment baya awa pobatanga pobazonga namboka na bango. Et après, il y a de l'autre côté la diaspora baya pour na baventure. Baye pour se divertir. Baza, pas forcément la vision moko ya vie, quoi, tout simplement. Mais j'aimerais dire que cette vision de la diaspora est erronée. Parce que nous, jeunes, tous les belés, tous les soucis, il y a retourné à Mbokana, ou il y a Bissot. De retourner dans voilà, le pays. De retourner et d'être. D'avoir cette fierté de dire que je suis congolaise. Rien que ça. Voilà. Ça, c'est une bonne chose. En tout cas, cet esprit, et je sens na, beaucoup de jeunes, on voit ça même, comme ils voyagent trop, oui. Même avant, parler lingala, ils allaient dire moi, si j'ai mon tabou. Mais Lilo. Tout le monde aime parler lingala, ça fier nango. Tout le monde vraiment les singoniens. Et nous demandons juste ma paix service espace. C'est ça qui manque maintenant. Confiance, na bateau baza, a mon osa na ba capacité belé et il a peur que osa la wana pour que obote la place naï. Tout à fait. Politique, il y a comment on dit pour cette politique. Il y a succession, il y a bien, et ça, il y a bien, parce ouais. Que quand tu vois, après moi, Zali, mais l'air accueilli, bibliothèque accueilli, c'est comme si je brûlais en haut. Et bah, tu vois, ça, c'est l'archive, mon côté. C'est ce qui est déplorable aujourd'hui de nos jours, dans mon cannabis. Alors, monsieur Missour et Alexei, le Congo a besoin de vous. Tout comme on a vu déjà presque tout ce qui t'a. Et on a parlé de la minerai, de ma campe belé belé aujourd'hui. La RDC est tout le riche. Na sol, na sous-sol. Ma campe belé belé. Mais les Congolais belé va profiter d'un autre. Je sais que ma condi mingo le lot, ça l'est fort. Ça l'a vraiment fort que ma campe est changé. Mais, toi, on a quand même été ma mabé aussi basé belé. Oh, le lot, il y a pour la poche, na bango. Ma propre poche na bango plutôt ou bien na pour na intérêt na bango personnel et non intérêt moko général nini o lelo ki koloba na des autorités tozonga kawana parce que yo moko pe oza le na business parce que soyi lelo mambeta mola bien te je ne pense pas que vous allez encore prendre de risques d'aller investir au Congo soyi za pays moko tout en termes économiques ou za rouge
Nino Koloba, Lilo Congolais, oui, RDC, pays tout en riche, en sol, sous-sol, machin, et téléphone, bah, ça l'a bouillé, bouillé, et bah, on voulait abuser de la Nénion, surtout, nous savons. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire aux autorités par rapport à Makambozo, les Kaoyo, l'image surtout RDC, Libanda, par rapport à notre richesse, hein, je parle de ça. Vous savez, nous vous répondre dans quel sens par rapport à Mbo Cannabis au Congo, par rapport à l'image, je pense à deux jours passés, c'était hier, je pense. J'avais un rendez-vous avec un architecte sur des invalides, parce que j'ai un chantier derrière des invalides. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais avec nous ? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Voilà, voilà. Est-ce que ton pays est riche? Vous voyez, ah ouais. Vous voyez, ça, on était dans l'ascenseur. Oui, clairement. C'est, ma réponse était quoi déjà? Parce que j'avais dit quelque chose, je pense. Mm-hmm. J'avais dit... Je suis là pour apporter. Voilà. Parce que vous avez aussi besoin de nous ici. C'est passé hier. Mm-hmm. Après nous arriver, on est arrivé à 6h20. Et à 8h30, j'étais dehors. 9h30, déjà, j'avais un rendez-vous. Premier rendez-vous du chantier, dans le 20e, j'ai un immeuble. Et je suis parti voir deuxième chantier dans le 7e arrondissement au niveau de l'université à l'Assemblée nationale. Après, il y en avait troisième, derrière les Invalides. C'est là, et on a eu ma question, les salariés posés, et opposé à moi encore. Donc, encore le bagarre, simplement ça. Je sais quand même que je suis un Libanais, un Indien. Je sais quand même que je suis un bon choix. Parce que je suis habité dans le Kenya sans sa critique. Des fois, critique est rappelé un peu bien. La diaspora, je suis un peut-être, ma vie, un papa, un koulout, un lait qui est. Puis pars sur piocher un peu plus loin parce que peut-être va ébissant sa moussa la terre. Parce que moutons ébissant sa moussa, alors ça, normalement, on a ils n'ont pas travaillé par exemple, non. Ils n'ont pas eu à diriger les entreprises. Bonne, oui, la bonne formation. Bah, expérience, on a été. Parce que même moutons à salaire et puis on a mon canadien. Bon, Tobin, ils ont sauté. Non, moi je parle simplement. Quelques-uns, par exemple. Oui. Voilà. Oui. Parce que beaucoup. Bah oui, on ne doit pas se voiler la face. Bah, Moussou va travailler peu aussi des ambassades. Mais bah, je suis allé au la open pour la bango au la voilà mbou les bêtises quoi de yamba tout zui de boka tout ça parce que richesse c'est ça voilà. Mais les années ils ont passé, vous savez qui n'a papa Mobutu, on peut dire grand papa Mobutu, oui, à ça les pauvres y'a quoi comme ça, ce n'est pas qu'à soit qui terne soit qui n'ango na zomona. Donc moi fierté wana ba ba parents na biso ba zaki nango ezala ki sauté. Mais là on a comme mon moment moqué et comme on songa au fur et à mesure moi ndambo par rapport à actuel présent. Confiance c'est comme Non, moi je dis vrai. Moi je dis vrai. Oui. Parce que hier seulement exemple c'est exact ba yebi yango. Dans un autre client encore c'est en anglais. C'est un très bon ami à moi et c'est vraiment je peux dire ma famille, il s'appelle Tony Van Hagen. C'est un avocat d'affaires très puissant. Ils sont dans le Champs-Élysées. Et lui, il me disait toujours que l'Afrique, c'est l'avenir de demain, Alexis. Mais malheureusement, nous en avons besoin, tous les jours. Mais sauf, tous les jours, je me rappelle encore que l'Afrique. Parce que moi, nous avons la richesse. Au bout de ce monde, peut-être, nous avons foulé en haut au pied. Nous avons un monde, nous avons. Mais, démarche dans les accords. Mais, tu as négligé, oui, on comprend. Ici, question, on a, oui, on vous a posé cette question. Mais, après, si vous avez un mot, vous avez posé la question, vous avez dit, ah, sauf pour qu'il y ait un mot, vous avez dit, ça, nini, ah. Oui, ma question, c'est nous avons. Comment me perturber? Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Ma question, c'est nous avons un mot. Mais, c'est comme si là-bas, vous n'avez pas votre place. Dans votre propre pays. Oui, tout à fait. Mais alors que ah, peu bah, n'ingam suba mona ke, on dirait beaucoup mis charge. Ou bien beaucoup qui déjà n'est là au mot que vous apportez dans le mot. Mais qu'est-ce que manque maintenant?
Nini Oyo, nous devons faire ou Bakondi Basala pour que Moutonir soit congolais. Tout le monde a bambou qui est belé, hein, bate belé aujourd'hui, africain belé, diaspora aujourd'hui. Les autres qui sont à bambou, qui sont à bambou. Alors, dans le Congo, quand est-ce que confiance on a vomi Kozala et Kozonga pour que la diaspora, tout le monde a expertise. Les bandes qui sont en cannabis, tout le monde est gouverneur de la ville, Aza diaspora, le président de la République, le ministre, le premier ministre, c'est bien, c'est issu de cette diaspora. Mais Nino, il faut tout ça là. Et c'est Missouri. Nous allons répondre à la un peu plus loin. Na, ma famille, na, on peut dire famille Bateke. On a un exemple, on a coupé ça pour nous, parce que nous avons négligé un peu. Nous avons la bibliothèque. Alors nous vivons, papa Marco Bangouli, c'est des personnalités. Bah bien sûr. Bah, bah, il a déjà à l'époque, ouais. Lui avant qu'à côté d'un an, si vous le dites, bah, image naïe, alors bah Yangoué Moko. Et avant comme on a la politique, il faut que ça qui est même qu'à côté d'un an, il déjà un grand PDG. Il avait déjà plus de 200, 300, 400 personnes au travail, parce qu'on travaille à Pôle naïe. Vous savez, donc qui au loba. C'est le même ma lignée en gros monde. Vous voyez, c'est premièrement c'est vraiment de bibliothèque qu'on devait coquille les qui s'attendent au dos n'aura peut-être que mon abandon pour le tout. Mais comment vous avez fait avant d'arriver là? Voilà, le papa là, c'est des batéqués. Et comme papa King, c'est pas des personnes, c'est pas bateau qu'on néglige. D'accord, c'est des bibliothèques vivants au bayébi véritablement mbokawana. Vous voyez maintenant. Qu'est-ce que nous avons la partie de la zone de la salle? C'est simplement un monde jeune ou un monde. Parce que nous avons quoi maintenant la millionnaire jeune? Ah oui, 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 tout à fait. Nous avons quoi maintenant que nous avons quoi dans la peine de la banque? Donc, tous allez belé. Et belé, belé. Nous avons un standing, cadre. Autrefois, ce n'était pas dans mon niveau. Mais pourquoi pas dans le Congo? Nous avons un deuxième étage. Tout à lui, il y avait tout plaisir. Vous voyez? Merci. Ça. Ça, ça, je suis fier. Donc, millionnaire dans le bâtiment, millionnaire dans la presse, partout, millionnaire dans le minerai, comme aux États-Unis, partout. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si dans le Congo. Dans la finance aussi. Oui, la finance également. Les lots, c'est comme si dans le Congo, comme il pose à la millionnaire, il faut un politicien. Voilà. C'est ça, en fait, le. Ça m'énerve un peu. Alors, donnez-nous cette différence aujourd'hui. Batouming, Bakoumi plus. Il y a quelques temps, il y a comme danseuse, comme musicien, comme chanteur, et tout et tout. Kala, Suez a dit qu'il faut s'animer l'élo, mais il faut comme un chroniqueur, journaliste, je ne sais pas ce que c'est encore. Mais Mikolo, on a tout le monde a comme un politicien. Même mon maman, à côté de moi, elle a dit qu'il n'y a pas de politique. C'est bien, il faut penser à notre pays aussi. Mais cela ne veut pas dire que. Bisonnier se faut tout ça la politique. C'est ça. Mais tout le monde soit s'occuper de la politique, et s'occuper de eux. Mais. Et ça compliqué, hein, marabout. Mais pourquoi les lots dans le Congo, posent à la Mbongo, posent à l'influent, il faut qu'on ait la politique. Parce que, nous avons vu ça, que tu as passé de comprendre un peu mal. On a répété toujours le centre. Des fois, nous avons répété encore parce que j'aime beaucoup M. Katumbi. Nous avons comme on a plus que sur la salaire politique, tu es mieux. Parce que tu es un businessman. Parce que nous avons une histoire. Nous avons encore un papa, Marco Bangouli. Il est déjà dans l'entreprise, il est politicien. Vous savez, il était riche. Vous savez tout ce qu'il a perdu dans le monde à travailler en dehors et à la politique. Il n'a rien gagné dans la politique. Il a pu se gagner avant politique. À part peut-être l'influence. Non, l'influence, vous avez l'argent, l'argent attire l'influence. Vous voyez? Mais bon. Et la politique au Congo protège les affaires. Non, ça c'est l'Afrique. Bah oui, ça c'est l'Afrique. Nous avons un milliardaire ici, on a sur Mona. Bah oui, l'Afrique, oui. Nous avons un milliardaire, nous avons la chance d'Élysée, nous avons 22 ans, nous avons un milliardaire. Ils ont des immeubles, ils ont milliards à l'argent. Mais pas les milliardaires africains. Hein. Non. Donc là, vous allez sentir cette différence. Hein. Non. Voilà. Parce que là, ça me fait. Je. Nazo Lobamoufan.
dans le Congo, dans tout temps, vous avez qui à Pullman. Vous savez ce qui est passé à Pullman, entre guillemets. Entre parenthèses, je ferme, je ouvre un peu ce côté-là. Tout d'abord, tu as le match avec Air France, c'est ça. Il y a finale. Finale. France, voilà. Argentine. Argentine. Voilà. Et si on a un peu plus loin, Moutoumoro Azalaki Wana, le con Azalaki Debout, pour tous autres, les autres là. Bon, quelqu'un de fluide en Boka, tout le babou. Nagoya. Ouais. Parce qu'il y a un peu de banque, ça n'a pas été. D'autre part, trafic d'influence, c'est rien à Nairobi, sans l'anglais, ça va noir, véritablement congolais. Et en plus, moi, je suis un peu de comme il ah oui, j'ai mis la ligne à Fumu. Quand je suis un peu de père, Fumu. Donc, si les autres devant la bonne il faut le bien pour la mabéle là pour la richesse là bonko mais biso nga so na vandi bon azo faire comprendre yo que ezambo ka bakoko nanga ya koko nanga ozomo donc ba biloko tous zo lo ba ona na sana peur ko banga te na ta pona ba tindi wana ta sécurité oh ah tant musiko yo ba ko mo tia ba bi ko mo pour la kina mo ma wa sali mo ta ba ngai. Il y a maintenant invité dans la côte à la biseau, dans la réunion à la biseau. Deuxième Bokanaïo, deuxième pays. Deuxième Bokanaïo, parce que d'autre part, dans la France. La France, dans la France. Dans la France. Il y a adopté à biseau. Il y a ça, il faut pas. Adoption, papier, bon, comme il français, soit. Et ça, c'est la formalité. Mais ça, au Tali, on a bien né. La répète à moi encore, on a mon béni. Origine. Oh, mon béni. Tu es un homme, Patrick Bangouli, au moins. Et puis si tu es belé, peut-être que tu vas rater, tu vas vendre calme, mais comme dans ma génération, tu vas faire le bas. Autant l'anglais est arabe, il n'y a pas de bruit. Nous, dans mon jeune, nous avons commis beaucoup de messes dans l'Angile, je le félicite. La humilité, tout, voyez, autant l'anglais, normalement, dans l'anglais, nous avons dit que c'est un grand frère est arabe. Nous avons dit que c'est arabe, parce qu'il s'appelle aussi papy. D'accord. Mais dans l'âge, bon. Ah, mon col. Donc, nous avons répété caca. Nous avons un trafic d'influence. Qu'est-ce qui s'est passé? On a un type. On a un type. Tout le monde a dit qu'on met la cigare à la télévision. On est un peu de hauteur. Tant qu'on est Argentine, on a gagné France. Bon, bah, c'est pélé. On a attaqué moi vers Sananga. Donc, mon aigle n'a pas été pélé. Tant que France a commis quoi? Tant égalité, ah, la vie bon, nous pouvons aussi qui nous sommes pas dit Nicolo. N'a pas la télé, François, n'a télé, mais la soba, j'entends bien. Tête en la télé, mine, on dit, oh, c'est pas là. À ce monde, on a indien, à ce monde, on a libanais, dans 9e étage. À mon y garder mon roi, il y avait Tinga, il y avait la Vanda. Mais c'est Doni. Ah, la fin, on comprend les noms, on t'a tindu. Ah, et puis ça y est, de le bébé. Hein? Ah oui. Donc, ce genre de pratiques, il continue toujours quand le Congo, il y a un trafic. Mais parce que Bato va comprendre l'anouté. Ce qu'il va comprendre, c'est qu'il y a encore. En réalité, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Le roi a battu ma gueule à sa laguité. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Parce que ça va comprendre la montée. Tandis que mon temps peut tomber dans la kibana. Et ça, c'est ma jeune ou ma mère n'a pas de colère. Papa n'a pas de la kibana, ambassadeur, ma poteau. Posez-moi. A vu l'eau, voilà. Non, on t'a la bonne amour. Moi, je vais changer les. Mais de rechanger mon amacasse. Voilà. On a vraiment une hasard, on a rechangé mon amacasse. En tout cas, il y a de la place pour tout, voilà. Tout le monde. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, il y a juste une petite parenthèse. Autre fournée, Tobi, trafic d'influence. Il faut qu'il fasse que Moto, il y a soit un ou éviter pas un an. On ne sait jamais. Nous avons un colo qui nous ça. Donc voilà. En tout cas, un grand merci de votre passage. Et moi, c'est que Nalina qui, après, parce que l'Ikamo, na esprit na rande na za na banda likambuna de bandela ngao ke na ngoti na suka
On a eu à faire des émissions, tous les menaces, tous les menaces, tous les menaces, tous les félicités, tous les félicités. Mais tout le monde a tout. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que dans un complexe, et je fais mon travail dans la salle à boulot, parce que quand il s'agit de dire la vérité, dans le monde haut et fort. Ce qui m'a dit, ma bézali. Parce que Mbokana, Moutoumorotel, l'équipe, ils sont à 1% qui congolais. Ils sont tout au arabe congolais. Tout à fait. Tout ce que nous pouvons faire, nous sommes tous les bas. Mais, l'idée de Zaka, qui est Mbokana, est avancée. Donc, je crois qu'ils ont même une idée à Bakondi. Ba dirigeant na ba dirigeant na ba tout bana sima ba bazaka kosa la pour que mboka na biso et que boso même si nous aujourd'hui et trop bénéficier na ngote mais pourquoi pas bana biso be bana na biso ba bota ba kota quand même que Congo ya bango Congo ba papa na bango que to traça yinzela mon ko malam on doit toujours commencer quelque part lilo o baza ba sale 1 2 o ba koya ba sale 3 4 jusqu'à ce que to commande 100 jamais Batwaro comme la mort on a 1000 ou bien à 100 sans pourtant on a 1 ou 2 tout à fait ou on a 0 on commence toujours quelque part donc on a baki Bouti Kinshasa après Nyonso et Luki vous avez des très très bonnes idées à travers votre groupe ADA et pourquoi pas nous de vous soutenir les Losengana soutenir ba idée Oyo lobby ezo créer ba emploi on le voit déjà ici vous créez des emplois na ba jeune na ba to ébité ba famille na bango le fait ba zolia ba osepe la ba sunga ba famille na ba Afrique et nzamba ba pambola bino directement ou indirectement donc c'est ça en fait c'est ça cette idée au le ya ko sunga en tant que jeune pour que mutambu to to a toujours na ni mol ba ke to ba ka ce qui lelo biso na za za concept na na bango ce qui lelo biso na stoza bien même niveau avec mon thème ma bé ou diminué parce que les si moi je me retrouve l'autre se retrouve ils ont moins passé pour mon inga ça mon ma bé mais malgré tout congolais à tout PC au PC nous sera l'ingara plus c'est toujours comme ça mais de telles initiatives ils a bien il faut tout le bango bravo et na bande kolo na biso on a toujours l'habitude de regarder ma cambo ils a ba futilité ba insanité et vous êtes toujours là à dire oh noli mais mission ni bon milagabiso ma oh ni nesa niveau na hauteur de telles émissions à niveau à Bouindé c'est ce genre des émissions que vous devez partager faut besoin rendez vos salaires bas vidéo dans votre tinda dans WhatsApp pour dire hey indé partager c'est des genres des émissions où les autres tinda congolais se révoltent la négé à bien pour penser à son pays comment investir comment Congo a coquille que ça l'investissement dans Bokanaé pour que pour le développement. Mais tout ça a toujours tout pris ma camarade, alors que ma maman a tout fait. Exemple, le développement d'un peuple commence par le changement de mentalité. Tout changer de mentalité, tout ma n'a pas ma maman a tout primé. Et ma maman a tout fait. Ça va bien. Avant, on a un message. Si vous avez un message, madame l'attachée de communication, de monsieur Alexis, est-ce que vous avez un mot au loba, votre vision, on vous laisse vraiment le temps de vous exprimer. Peut-être il y a eu des questions qu'on n'a pas eu le temps de vous poser. Au mécapé, qu'on coupe sa biso, qu'on ça la biso moi synthèse, il y a ma cambo et l'obami, et pourquoi pas donner votre vision. Je répète encore. En tout cas, Ndé Balobara, Mathieu, c'était un. Bafoumou la biseau va marcher. Bafoumou la biseau va porter. Va marcher. Va marcher. Oui. Marcher, c'est-à-dire que Batik a biseau tout construire. Bah faciliter Pébino. Bah faciliter biseau. Bah appel d'offres au Bassala Kawana et Zapona biseau, bah congolais. Tous en ont besoin. Et puis, tout zappé naba capacité wana. Pour ceux qui tous salango awa, pourquoi pas là-bas? Vu que ici, on excelle dans ce domaine, pourquoi pas là-bas? Mais j'y crois. Ma mentalité a évolué. Et je sais que encore une fois, ensemble, on peut y arriver. Congo Lelo, bon, tu as vu que mon bébé a changé. Congo Lelo,
Et Tamboulara, comme nous on disait à l'époque, branchement. Oui. Et Tamboulara, il faut connexion. Faut à la moinaya, nekoya. Malheureusement. Parce que Babiso Oyo, Banabayate. Bandekoka et Jésus. C'est ça. Est-ce que vous avez un genre de situation où vous avez confronté dans le bloc, vous avez bloqué parce que vous avez décoyé. Bon, et elle a été déjà Alexis, vous avez décoyé. Bon, vous avez un genre où vous avez dit vraiment si c'était tel, mais tout le monde est en Cambodge. Ça vous est arrivé? Bon. Je parle, hein, parce que vous avez centre, les lois, la communication, oui. Ça se pourrait. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Madame Jolie Serioli, donc d'être passée. Merci. La franchise na bino en tout cas na sûr servir na batte belé vraiment et puis ça peut inspirer aussi de jeunes na bateau. Vous êtes entrepreneur, vous êtes de la diaspora, vous êtes congolais, même si vous n'êtes pas congolais, tout l'andate loi tiani au ce qui est sans non sans un amour à Congo au moni au koki ko kota na idée oyo. Il y a au Tombola, au Congo, il y a au Tombola, Sénabiso, ne manquez pas à nous contacter et puis à trouver sa minute coordonnée. Il y a monsieur, il y a groupe ADA, pour ne pas dire monsieur Alexis Missouri, parce qu'il est très très occupé déjà. Trouver sa minute coordonnée, il y a groupe ADA, et pour qu'ensemble, Tom et Kempe, qu'on avance les choses. Monsieur Alexis Missouri, moi, Lilobamo, de votre passage, Lilobanyo Kolobana, Bakondiamboka, Naba Congolais, na diaspora, Oyozali, Naibi qui a un souci en Bokanayo, aux panafricains, et Nino Kolobana, na passage na une émission. Nino Kolobana, ça la moi un peu bref, il y a. Parce que vous avez lobby pratiquement tout. Hein. Oui. Moi, bref, un peu par rapport à ici, à Europe, dans l'Europe aussi, il faut de changer aussi. Vous savez, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rigoler un peu. Et si on en parlait un peu, c'est qu'on a vécu ici, dans l'Europe, l'histoire avec combat ci, combat ça, c'était pas mal. Tout à fait. C'était pas... Mon tableau, moi, qui m'a baisé pour échanger un peu ma communauté. Mais à un moment, il faut arrêter. Il faut avancer. Non, arrêter et avancer. Oui. Maintenant, de combattre, peut-être un salaire. Emploi. Il y en a un autre salaire. Il y en a un autre l'industrie. Si vous êtes capable de combattre pour changer l'engagement avec les Camerounais, c'est quelque chose. Parce que ça, il va bien bêler. Donc, il faut agir. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Là, ils ont un terme en tant que businessman. Tout à fait. Un politicien. Vous voyez? Donc, tout qui est dans le sens où on a besoin de ça. Pour le Congo, ils ont besoin de ça. Parce que là, on va être baba. Si nous gars, on a papa Simo Kimba, on a Kimba, on a Baba Roson, on a Baba Mouba Botonga. Mais c'est ça où j'étais. Moïnda. Moïnda, Moïnda, comme Moïnda. C'est ça, je pense. Tout à fait. Là, il faut esprit à boulot. Il faut esprit à créativité. Oh non, Congo est béni. Congo nous a mal baqué au salam. Mais puis nous, nous sommes tous béni. Nous sommes tous béni. Nous sommes tous béni. Bah, c'est la mobino. Il n'est pas venu à jouer à Boumi le colo, on aime sur les pieds pour mon yota, les benavotas, la bonne approche à ma barre, la boutique. Ah bah oui. Bah les qui s'y est peu. Eh, la barre dans la poche.
Dans la moule, ça va 2 millions, 3 millions. Mais les gens, ils ont le pédale, ils ont le pédale. Ils ont tout le monde, ils ont le pédale. Ils ont le marché, ils ont le pédale. Ils ont le pédale. Papi, mais lui, on peut. Papi, si on peut, mais bon, non. Il m'a pas mal à tous en haut. On dit le contrat, mais on a un contrat jusqu'à Kassai. Ami, ma pas mon loup, parce que ça a confiance dans Kassai. Nous sommes. Parce qu'à Monique, papa a compris que non, mon fils, pas dire, n'a pas libéré, pas son bâle, mais le coup, oui, 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 oui. Nous avons compris, nous avons arrivé, nous avons quand même pour sauver la machine qu'il faut. Dans la ma pierre en haut, il y a la machine. Est-ce qu'on ne bat pas pour nous battre combien? Voilà, il faut un moment de arrêter. Tout le monde m'a ramené, ils allaient, ils mettent aussi dans la bisou. Tout ça, l'arabe, un moment de se battre, quoi. Beaucoup de libres, dans ma colle, ils vont vous laisser pareil ici. Tout le temps, on a bien un Congo. On y va dans le sens qui est où il y a. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, on ne peut pas clôturer, conclure cette émission. Il y a les élections qui arrivent. On doit quand même parler un peu de la RDC. Rapidement, car on a vu que les politiciens étaient quand même dans le business. Si aujourd'hui, Mboka est en sécurité, est en guerre, on ne peut quand même pas que ça la business dans le Congo. Il y a un moment déjà, ça fait plusieurs années que Mboka est en guerre. Est-ce qu'un message Mokozali pour la femme veuve, bah orphelin militaire, bah ça est belé belé dans beaucoup de missions. Pourquoi on a insisté là-bas? Parce que tout le temps on a demandé l'association militaire, ça a ou le loup a déploré surtout la prise en charge dans beaucoup d'habitants. Mais est-ce qu'on a un moment où on va faire des scénarios sur bas au bunda pour la beaucoup de missions toujours et qu'il ne l'a pas été. Un message, mais un message vite fait, je ne sais pas. Oui. Oui, Madame Jolie. Alors moi, je dirais que Totiki Bangote, Baza Awa, Namotema, et Totikala Bosana Bangote, na moi, Mouké, pour ne pas dire beaucoup, oh, tout ça là. Bah, on peut pas en Akati. C'est-à-dire, il y a une idée de créer une fondation, association, peut-être. Pourquoi pas? Tout pour à aider, fait. Venir ces en aide. Là, tout à fait. D'accord. Merci beaucoup, messieurs, dames. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de cette émission News. Donc, comme dans la Souka, l'émission Oyo, on assure Bato Bolandi en haut, Bato Bozara na idée entrepreneuriat, Bato Bozara na besoin au sein de la business. En tout cas, on assure de réunir ma force na biso en tant que Congolais pour que tout combattre Bato. L'année est bien. Hein? Donc, tout comme Ebélé, tout comme Apenza Ebélé. Pourquoi on a bien Ebélé, on a mon amitié en tant que Congolais. Pourquoi pas tout s'imposer dans Mboka na biso parce que Mboka na biso dans la besoin na biso et dans la besoin vraiment il y a biso nyoso dans le domaine nyoso je me rappelle bien Nathan à Kalawandolo basse mutana yo ngamba joana cordonnier mais ba cordonnier ba na l'art hein au moins au linga maçon maçon écoute OK musique ah na l'art hein. Bana Verni, par exemple. Oh, mon avis, elle a cré, cré, cré. Ah, il y en a là. Donc, c'est-à-dire que tout négligeant, Moussalaté. Hein? Voilà. Donc, il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. Merci beaucoup. Vous voulez juste rajouter quelque chose? En tout cas, trouvez la mission à Souka. Peut-être un Milord, mes amis. D'accord. En tout cas, un grand merci à M. Alexis Missouri, le PDG des ADA Group. En tout cas, Madame Serioli, donc collaboratrice et attachée de communication de M. Alexis. C'est par ces mots que nous bouclons la boucle de cette émission. C'est aussi sa émission à Lingala. Donc, on a sous que émission, en tout cas, bonne fête, que 2023, ils ont l'année beaucoup à Malam. Oui, comme ma mission a été, oui, que ça a été congolais, à tomber, mais ce soit à valeur, et puis tout élément. Pour qu'il y ait un peu de temps, il y a un peu de temps. Tout le monde a été en électorale. Et puis, on a encouragé les Congolais à s'enrôler massivement. Tout pour qu'il y ait un peu de temps à faire un peu de temps. Et à décider de faire un peu de temps. Et qu'il y ait un peu de temps. Si vous votez, vous votez dans la Kalate. Votez utile.
très très utile. Tout à la nani okoyeko pour sambo cannabis solution. Kobana na ba député, kobana na ba nani, kobana tititi kobana na ba konzi amboka to voter vraiment utile. Par là aussi je dis un grand merci et puis bonne fête na les amis de Noli Tamboule Sage et Kimbangu, ya Yolo, ya Matongé, ya partout ya Kalamu, ya Pisimino Bambote Beleba. Bonne fête à toutes et à tous. On se dit bye bye et à la prochaine. Merci d'avoir réalisé ce soir. Merci à vous. Merci. 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 Ciao. Au cœur de Kinshasa, découvrez Genesis Hotel dans la commune de Kasavubu. Pour un séjour agréable en République démocratique du Congo, pour votre plus grand plaisir, passez un séjour merveilleux avec des nuits inoubliables, des chambres climatisées, et spacieux, balcon garanti. Une salle de fête pour vos événements d'hiver, un personnel qualifié à votre service, un cadre chaleureux, propre, votre sécurité est garantie. Passez de bons moments dans Genesis Hotel. Genesis Hotel, salon Congo pour tout type d'événements, conférences, réunions, anniversaires, mariages et autres. Nous sommes situés au 8 avenue Kandakanda, dans la commune de Kasavubu. Pour tout contact, veuillez appeler plus 33 6 63 85 41 56 plus 243 90 48 61 050 plus 243 84 13 33 3 16. Genesis Hotel, Poto et Kitelebisona Kinshasa. 3x.w.congotopnews.com